In Anderlecht, Sint-Gillies, Molenbeek, de Cartier-show van Brussel. We zijn er stilaan aan gewend geraakt, dames en heren. Belgisch-Marokkaanse jongeren aan de ene kant, de politie aan de andere. Alvast enkele harde feiten. Molenbeek kent de hoogste jeugdwerkloosheid van het land. In de wijken waar de Marokkaanse bevolking woont, komt dat in de buurt van 50%. De criminaliteitscijfers zijn tussen 2002 en 2008 constant gestegen. Vooral inbraken in woningen en auto's. Avancez! Vous avez vu, j'ai essayé tout doucement. Si vous n'ouvriez pas, on défonce la porte. On va descendre comme ça dans la voiture. Est-ce que je peux juste au moins lui faire un baiser, s'il vous plaît? Ça va? Appelle Catherine. Ça, toi, elle... Appelle Catherine, ça va? Je sais pas, sois coopératif, s'il te plaît. Désolé. J'appelle chez moi. Beelden van een bewakingscamera in de metro. Deze vrouw is zwaar aangeslagen. Net daarvoor hebben twee jongens haar tas uit haar handen getrokken. De vrouw belandde op de grond. Wat mij het meeste opvalt is het gebruik van geweld. De toename van het gebruik van geweld. Ils sont de plus en plus jeunes. Déjà vers, allez, on va dire vers 10, 11, 12 ans, ça commence déjà pour des faits de moyenne criminalité, comme des sackjacking par exemple, ils sont vraiment très très jeunes. Dat begint klein, hè. Het spijbelen, vandalisme, vechtpartijen, tot zware diefstallen, tot die carjackings, homejackings, verkrachting in bende, het stopt gewoon ook niet. Het is niet zo dat wij zeggen van, ja, het is wat spijbelen, het is wat vandalisme en verder dan dat gaat het niet, nee. We hebben echt wel een waaier van misdrijven die gepleegd worden door jongeren. Er staat eigenlijk geen grens meer op. Attends, réponse. Wanneer de politie een jonge man wil controleren, neemt hij de vlucht. Continue. 1, 2, 3, in de boos. Ik ga gaan zien, hè. Na een korte achtervolging krijgen ze hem te pakken. Ik ga gaan zien, hij heeft die zwik gesmeten achter de camionet. Hij blijkt drugs en pepperspray op zak te hebben. On est là, on peut être enfermé dans les quatre murs sur la tête en mer, on est là. Je vous prends des gardiens. On est là, Christian, votre mère. Attends. On est là, les bras sont là, les faux.
zijn twee oudere broers heel goed gekend. Ze zitten alle twee in Vorst voor zware feiten. En die, dat wisten we, dat is vroeg of laat, gepakt in op. En dat is ook een kwestie, als die in de juiste leeftijd gaat hebben, dan gaat hij ook met zware feiten beginnen en die gaat ook eindigen in Vorst. Dat zijn mannen die eindigen in het gevangen. De jongen verdwijnt een nacht in de cel. Il y a certains qui ont commencé au début. Ces gens sont connus pour... ils ont des casiers judiciaires qui sont longs de 50 pages et ils roulent au milieu de Molenbeek avec une Porsche Cayenne. Bah, ouais. Les jeunes, ils voient ça, ils vont pas se dire « Ouais, demain, on va aller travailler, on va aller, je ne sais pas moi, travailler, faire éboueur ou quoi. » Bah non, ça va rapporter combien? Ça va rapporter un tout petit peu d'argent. Et eux, ici, ils sont connus pour des centaines de faits et ils ont 10 fois plus d'argent que n'importe qui. Ouais. Ils ont pas. Ils suivent l'exemple. Hein. Moi j'étais là. Ouais, c'est ça va passer à la télé? Ouais, les mecs qui restent. Ouais. Vooral de politie is onze hier. Federale politie. We zijn een reportage aan het draaien, hier in Brussel. Dan mag je zelfs aan ons. Hé, van de pers. Wolf, kom. Laissez meute là. Ah moi je sais pas ce qu'ils ont bien à faire. Mais c'était une petite émeute. Pourquoi c'était une petite émeute? Parce que Saint-Gilles n'a pas beaucoup de terre. Mais wallah, t'es regarde les émeutes qui pas dans le ramadan ici à Molenbeek. Tu vas voir ce qu'on a là à mon avis. Moi je dis qu'ils ont bien fait les émeutes, ils ont bien réagi. Pour Stéphane, ils ont fait ça pour Stéphane. Mais c'est pas logique. Donc il y a un criminel qui a été tué et les jeunes. Ouais mais le type, il avait pas de flingue. Ouais. Le type, il savait pas se défendre, qu'est-ce qu'il va faire? Ouais. Il vient, le je le vois comme ça, allez, il a envie que c'est un cholodo, allez, bim, on l'a tué, allez, un cholodo en moins. C'est pas normal, les chinois, je voulais que même, parce qu'ils avaient des autres ceintures avec deux menottes, une matraque, un taser, un spray, un snack, ouais, nous si on avait ça, Allah, ils seront morts depuis longtemps. Les SMS et tout, parce qu'un blog, c'est pas juste ça. Ça, c'est le petit, ça, qui fait ça. Une cramin. Mais maintenant, si on fait une émeute, on va se rouvrir de l'autre, tout ça va se voir, on va parler entre nous. Ah, nous, c'est fini, mon pote, nous, tu fais un métro. Tu fais une ligne de métro, tu mets tout derrière et on est 500. Tu fais toutes les stations de métro. Et t'as un avec un tous qui me garde l'Ouest. On va chercher derrière de là, qui va chercher derrière l'escarpe avec moi. Et même si des fois on a des bagarres entre communes, on fait toutes les stations, moi je mets derrière tous les cours, les assis, les cordes, les albarets. Als je met een politievoertuig die hier door de straten loopt, het leven stopt hier even en iedereen zit u te bekijken op hun meest agressieve blik. Als je de hoek omrijdt, zitten ze op u te roepen en te doen. Voilà, moi. Je wordt meer aanzien, denk ik, als de vijand ook eigenlijk. En dan merk je pas later, in een keer dat je echt meedraait binnen de politie in Molenbeek, dat je er ook bent om hun, op al hun werkzaamheden en zo, en alles wat dat illegaal is, eigenlijk stop te zetten. En dat staat u niet aan. Dus dat wordt je eigenlijk altijd aanzien als de vijand. Gewoon al bij een simpele controle moet je altijd opletten dat ze niet met stenen naar je smijten. Als je je auto even achterlaat, dat je niet terugkomt, dat ze de ruiten van je auto hebben ingeslaan of je banden platgezet. Van Bergen, in Bende. Molotovcocktails en zo, die ook gesmeten geweest zijn naar politievoertuigen. Gelukkig waren de ramen toe dan, want anders al die collega's daar waarschijnlijk of misschien niet meer over kunnen meespreken. Dus als we iemand oppakken omdat hij bijvoorbeeld gezocht wordt, zal die altijd roepen naar de anderen, kom mij helpen, kom mij helpen. En worden we meestal omsingeld door 20, 50 man. En dat kan echt heel rap gaan.